Le 16 janvier 2001, le climat est lourd. Lorsqu'à Kinshasa, dans la ville basse, l'habituelle bouche à oreille, la radio trottoir finit par faire confirmer qu'il y a eu des coups de feu au Palais de Marbre, là même où le chef de l'État, Laurent Désiré Kabila, habite et travaille. Couvre-feu, oui. Et Kobana, à 22h, à 5h du matin. La nuit est grosse de suspense. Les communiqués des médias sont les uns aussi contradictoires que les autres. Le flou demeure. Un comité intérimaire prend les commandes du régime né de la révolution du 17 mai 1997. Le pouvoir est confié à un jeune général de 29 ans. Le défi n'est malgré tout pas par rapport à l'âge, dira Joseph Kabila, mais à ce qu'il est capable de faire. Une annonce tombe comme un couperet. Laurent Désiré Kabila est mort. Sous le choc du drame couplé à la guerre où le Congo est installé depuis 3 ans, le doute mêlé à l'incertitude se joint au mystère qui suscite un flot d'interrogations. C'est que certaines personnes disent, le président de la République était un militant, politique avant d'accéder à l'état-major de forces armées congolaises. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, il a eu une expérience, en étant l'état-major de forces armées congolaises, une expérience sur le plan politique parce qu'il a eu à diriger plusieurs missions militaires à l'extérieur de notre pays. Donc, la guerre avait déjà éclaté en République démocratique du Congo et le chef de l'État avait une connaissance assez large de la situation politique de notre pays. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. La première préoccupation du président, c'était la réunification de la République démocratique du Congo parce que gouverner un pays qui subissait une partition de fait, c'est d'être un chef d'État amputé, quelque part. Donc on ne pouvait pas être chef d'État de la République démocratique du Congo et ne gouverner que sur une partie du territoire. Ce défi repose essentiellement sur les retraits immédiats et sans condition des États agresseurs, en l'occurrence le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Étant convaincu que la solution à la crise qui sévissait en République démocratique du Congo n'était pas militaire, mais plutôt diplomatique, il fallait maintenant passer en revue les questions liées aux aspects diplomatiques pour y apporter des réponses. Alors, le chef de l'État a posé la question à ce qui pouvait être considéré comme sa cellule diplomatique à laquelle j'appartenais. Et c'est là qu'on inventorie les différents problèmes qui justifiaient ou quelque part l'ostracisme dans lequel nous nous trouvions. L'Élysée en France est la première escale de Joseph Kabila. Il se met à la tête d'une campagne de clarification. Il s'agit de dire aux Occidentaux que le Congo est occupé par 3 de ses 9 voisins. Au-delà du viol de la Charte des Nations Unies, il y a menace contre l'équilibre et la stabilité de toute l'Afrique centrale. Ce message est porté aux Belges. L'Union européenne en fera ainsi écho aux Nations unies. Ce que Joseph Kabila dit à l'ancienne métropole du Congo se fonde sur l'accord de paix signé à Lusaka en Zambie en juillet et au mois d'août de l'année 1999. Il s'agira d'assurer au Congo la paix en maintenant un cessez-le-feu, d'initier un dialogue entre le régime en place depuis mai 1997 et les autres forces politiques, armées et sociales que compte le pays. La campagne diplomatique qui s'ébranle ainsi sur le vieux continent franchit aussi les marches du Vatican. La guerre d'agression avait déjà coûté plus de 3,5 millions de morts à la République démocratique du Congo. Les efforts de la communauté catholique Saint-Égidio pour le retour de paix après 3 années de ce qui alors est qualifié de première guerre mondiale africaine sont suivis au Saint-Siège avec la plus grande attention. À l'époque,
il était de notoriété publique que les agresseurs de notre pays avaient bénéficié, sinon d'un appui direct des États-Unis, en République démocratique du Congo, du moins une attitude bienveillante à l'égard des agresseurs. Étape américaine du pèlerinage pour la paix. Joseph Kabila se met sur les pas de Laurent Désiré Kabila. Son prédécesseur avait déjà pris l'option d'une action diplomatique, une victoire devenant fort improbable sur le terrain militaire. Au menu des entretiens entre officiels américains et congolais, l'objectif restant de faire échec à la guerre. Les questions d'ordre bilatéral, un dialogue avec les commanditaires de la guerre, comment renouer utilement avec la Grande Amérique, tout passait à la loupe. La fin de la ruineuse guerre du Congo ne devait passer que par l'application de l'accord signé en 99 à Lusaka, en Zambie. Le peuple congolais qui a tant souffert ne demande qu'une chose à l'ONU et à la communauté internationale. Que la justice soit faite pour les faibles comme pour les forts, pour les riches et pour les pauvres. Monsieur le Président, d'Excellence, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Dans un isolement quasi complet pendant un certain temps, dû à une certaine incompréhension de la question congolaise à l'époque et aussi une certaine complicité de certaines puissances occidentales avec les agresseurs de notre pays. Donc il fallait à tout prix faire preuve d'inventivité et de créativité pour faire comprendre à l'opinion internationale que contrairement à ce qui a été véhiculé, ce n'était pas une rébellion qui a éclaté dans notre pays, puisque la rébellion a été postérieure à l'agression, mais il s'agissait d'une agression par deux pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila avait déjà ouvert la brèche une année plus tôt. L'action diplomatique qu'il mène rencontre à l'époque le satisfecit de ses interlocuteurs américains. It's evolving and it's potentially a very good one. We are all resolving to work together in the interests of peace, and I certainly very much look forward to working with President Kabila and his government towards that end. Je trouve que le président est très serein, il est très prêt à appliquer les accords de Lusaka sans hésitation et sans arrière-pensée, sans un esprit de revanche. Il veut la réconciliation nationale, il veut faire une transition démocratique, il veut un vrai dialogue national. Bien sûr, il préfère avoir ça sans les militaires étrangers qui occupent une grande partie de le territoire, mais quand même il est prêt à faire le nécessaire d'avoir un grand dialogue national entre Congolais. Je viens de parler avec le président Kabila que nous sommes prêts à travailler très étroitement avec lui et le peuple congolais sur les problèmes politiques, militaires, humanitaires et économiques. Et on va s'y mettre. Les alliés du Congo sont informés. Les différentes forces armées qui se sont affrontées au cours d'une guerre devenue un frein pour le développement du pays devaient se conformer à la nouvelle donne dans la région. Le message est aussi porté auprès de certains partenaires du régime qui a chassé la dictature de Mobutu au mois de mai 1997. Bonjour, monsieur le président. Comment ça va? Good. Thank you. No, fine. Thanks. I'm always trying to assist you. Le chef de l'État avait décidé à l'époque qu'il fallait absolument, pour pouvoir débloquer le dialogue intercongolais, renouer avec le facilitateur, parce que c'était la personne attitrée par les pays d'ailleurs qui ont couvert l'accord de Lusaka, notamment les pays de la SADC. Et c'est à partir de la rencontre avec le facilitateur que le dialogue intercongolais avait été débloqué. Merci. 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 Mer
nous avons été très favorablement impressionnés, ce qui était déjà le cas, mais enfin, ça a été confirmé, le volontarisme du président Kabila et de son équipe pour essayer d'animer le dialogue intercongolais, d'y aller sans arrière-pensée, pour essayer de créer les conditions d'une réconciliation nationale. Il avait hérité d'une situation qui n'était pas simple, disons. Et personne, à l'époque, n'aurait pu s'imaginer que le président de la République allait accéder à la magistrature suprême. Et le président de la République a, lors de ces deux premières années, montré sa capacité à maintenir la cohésion nationale, parce qu'il y avait beaucoup de contradictions, même dans notre propre famille, qui auraient pu faire que la situation puisse se détériorer. Mais il a pu calmer tous les esprits et maintenir la cohésion de l'équipe. Et ensuite, résoudre des gros problèmes auxquels notre pays était confronté. Tout se passe normalement. Nous n'avons pas de problèmes de sécurité particuliers. Nous n'avons pas été dérangés. Et nous sommes heureux que le pays, en tout cas la partie occupée par le gouvernement, connaisse une paix que nous avons vérifiée nous-mêmes en étant sur place. Nous avons des préoccupations au Congo. C'est la réunification du pays et la paix. La guerre qui a duré 4 ans et 9 mois avait été déclenchée par notre mouvement parce que les circonstances l'exigeaient en ce moment-là. Aujourd'hui, ces circonstances ont cessé d'exister et nous apportent un message de paix et de réconciliation. Nous sommes en quelque sorte des procureurs de la paix. Et nous croyons que les travaux auxquels nous allons participer vont conduire vers la réunification du pays, vers la réunification des armées, mais également vers l'installation de nouvelles institutions. Merci. Le président Machar est venu nous accueillir. Merci. Je vous souhaite la bienvenue. Dès lors que nos frères du RCD sont ici, il n'y a plus aucun obstacle à ce que la commission de suivi maintenant puisse aller de l'avant. Signe de notre détermination, demain le MLC déposera auprès du chef de l'État la liste de ses délégués qui siégeront dans le gouvernement d'Union nationale. 2001-2002, une nouvelle ère commence. Le temps de la guerre est fini. Une nouvelle fraternité tourne une page dramatique de l'histoire du pays. Nous sommes réunis pour assister à l'acte de naissance d'un Congo nouveau et réunifié. Son Excellence, Monsieur le Président. Bienvenue. Merci. Une cohabitation à cinq instaure une nouvelle république. Joseph Kabila interrogera plus tard. Qui prendra le risque de reprendre les armes lorsque la population décidera de confier ses suffrages et la légitimité du pouvoir à un groupe au détriment des autres? Ce n'est pas donné, le fait de diriger un gouvernement éclaté en différentes composantes et entités. Un gouvernement formé par ce qu'on a appelé à l'époque les belligérants, c'est-à-dire ceux qui hier encore s'affrontaient sur le champ militaire, et avec parfois des invectives qui dépassaient certaines limites, le fait de réunir tout ce monde autour de lui en tant que chef de gouvernement et conduire de manière consensuelle tous les débats et chaque fois aboutir à des conclusions qui tiennent compte de l'intérêt général, je pense que c'est une des qualités exceptionnelles du chef de l'État. Et d'ailleurs, ceux qui étaient considérés comme ses véritables adversaires à l'époque, et parfois on l'a sait, parfois des mots, parfois désobligeants à son égard, ont été surpris par
la manière dont le président de la République dirigeait le Conseil des ministres, sa capacité d'écoute et puis sa capacité à faire la synthèse de toutes les discussions au Conseil des ministres et à donner des instructions en tant que chef de gouvernement. Je crois que ce sont ces qualités révélées qui ont suscité le respect de ceux qui étaient considérés comme ses adversaires à son égard. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de ministre et vice-ministre du gouvernement de transition. Et je vous présente mes très sincères félicitations. J'aimerais bien vous rappeler, mesdames et messieurs, que la transition en cours dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1990. Nous sommes le dernier pays dans la région à organiser les élections. Et ceux qui réclament de nouvelles négociations, eh bien, la réponse est niette. Je suis fatigué des négociations, des conciliabules, des arrangements. Et moi et le peuple. Bref, monsieur, il n'y aura plus de négociations. Les négociations, c'est seulement les élections. Les années passent, et avec elles le temps. Joseph Kabila finit par troquer le treillis contre le costume-cravate. Il est le quatrième de la lignée des présidents congolais depuis 1960. Plus rien à voir avec le jeune militaire à qui sont confiées les rênes du Congo. Le chef de l'État a un bilan à présenter, et un bilan qui est largement positif. Tous les objectifs qui étaient dévolus à la transition ont été accomplis. À mon sens, à partir de cet instant, plus rien ne pourra retarder l'organisation des élections qui s'annoncent à l'horizon. Les jalons sont posés, le chemin est totalement balisé. Il appartient maintenant aux acteurs politiques de démontrer leur génie pour que le souhait du peuple se transforme en réalité.